Voici Gérald, jeune séducteur de 36 ans, se lançant depuis plus de 10 ans maintenant dans la variété française. Gérald est aussi connu pour ses talents de réalisateur. Son film, primé au festival Grolandais, s'intitule Polo Anarcao. Avant, j'allais faire mes courses en vélo, quand j'étais écolo, pur et dur et tout, donc j'allais faire mes courses en vélo, voilà. Et maintenant, j'y vais en mobylette. Pourquoi? Parce que les écolos, ils se sont structurés en parti politique, et bon, bah, écoute, comme tout parti politique, c'est devenu de la merde, des querelles de pouvoir et tout. Alors moi, j'ai réagi à ma manière, comme les écolos m'ont déçu. Donc c'est une manière de me venger des écolos, qui est devenu un parti politique comme les autres, c'est-à-dire un gros parti de merde, quoi. Donc ben, pour me venger des écolos avec ma mobylette, eh ben, j'aime bien polluer. Donc je la fais tourner des fois devant chez moi pendant que ça pollue un petit peu, quoi. Et c'est une manière à moi de dire, écolo, t'es comme les autres, tu n'es qu'un enculé. Gérald est donc chanteur, réalisateur, mais il est aussi scénariste. C'est des petits scénarios que je donne quand je suis un peu sous. Il a dû tomber dessus, le mec. C'est quand même un pompage hallucinant de mes scénarios, que je fais d'ailleurs ça modestement. Hein. Autant se dire que je vais l'avoir dans le fion, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Le truc, au moins, je me rends compte que j'écris des scénarios et que ça marche, mais que je les donne et parce que j'y crois pas. Ces scénarios volés concernent notamment la BD de Riyad Sartouf qui dit que Pascal Brital et ça brille, quoi, avec des flammes et tout, des motos, beaucoup de violence et d'humour aussi, hein, faut savoir. Voilà, en deux mots, c'était ça. Hein. Pascal Brutal est le meilleur album du Festival d'Angoulême. Pascal Brutal, l'homme le plus viril de la France. Pascal et ses attributs légendaires. Sa gourmette, ses baskets, son petit bouc bien taillé, ses muscles, son sex appeal à voile et à vapeur. Pascal vous montrera comment mieux vivre dans ce monde ultra-libéral. Parfois, je voudrais me remettre à chanter. Ouais, là comme un ange. Des fois, j'ai envie de tout larguer. Mais la fac, c'est la bonne.